Bonjour, c'est Madi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de poser une question simple. Il y a eu un scandale à propos des restaurants clandestins qui seraient visités par certains ministres. Et puis ensuite, il y a eu un démenti. Alors pour savoir ce qu'il en est, eh bien, je vais poser la question tout simplement. Est-ce qu'il y a des ministres qui se rendent dans des restaurants clandestins? Voilà. Comme ça, eh bien, on saura si les politiques suivent leurs propres directives ou bien non, hein. Ou bien si il y a deux poids deux mesures et si eux eh bien ne suivent pas les fameuses restrictions qu'ils imposent aux Français. Alors, est-ce qu'il y a des ministres qui sont allés dans des restaurants clandestins? Voilà. Il y a des ministres qui sont allés dans des restaurants clandestins. J'ai adversaire et mensonge. Donc déjà, c'est pas bon parce que ça veut dire que il y a effectivement des mensonges. Hein, souvent, la coupe donne la réponse. Mais on va reposer la question. Alors, est-ce qu'il y a des ministres qui sont allés dans des restaurants clandestins? Alors, foudre et isolement. Bon, bah écoutez, j'ai la réponse, c'est oui, hein. Oui, effectivement. Et ils ont été vus. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui observaient. Hein. Bon, foudre, bah, ça veut dire qu'ils ont été surpris, hein. Et puis isolement, bah, en face, c'est vrai que normalement, ils auraient dû respecter le couvre-feu, enfin ce genre de choses, hein. Les mesures de distanciation. Donc là, bah, écoutez, je vais pas plus loin parce que quand on a un tirage comme ça veut dire qu'on a la réponse. Donc, est-ce qu'il y a des ministres qui ont été dans des restaurants clandestins? Oui, et ils ont été observés. La foudre, c'est simplement qu'ils se sont fait surprendre. Bon, tirage simple, donc oui, ça veut dire qu'il y a bien eu des mensonges. D'ailleurs, c'était dans la coupe, hein, adversaire et mensonge. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas du tout honnêtes. Alors, tirage terminé. Hein, dans ces cas-là, il ne faut pas aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dans ces cas-là, eh bien, je ferai encore plus de tirages. Merci, au revoir.